Humide et venté, l'hiver 2013-2014 a même battu des records de pluviométrie dans certaines régions. Des conditions climatiques qui ont du coup poussé pas mal de personnes à s'équiper. Les ventes de bottes ont ainsi été boostées, en particulier chez Aigle, dont c'est le produit emblématique. Plus 6% de ventes de décembre à février, avec trois produits particulièrement demandés. Dans le domaine du jardin, avec une botte bison, nous avons fait un score de plus de 22%. Dans le domaine agricole, qui est notre premier marché, avec une botte Chambord Pro, nous avons fait plus 25%. Et surtout dans le domaine de la chasse, cette botte Parcours 2, nous avons fait plus 56%. Les 400 salariés du site Aigle d'Ingrande fabriquent déjà 3600 paires par jour. Il a donc fallu faire face à cet afflux de demandes particulières avec une réorganisation des chaînes de production et du renfort humain. Il y a eu de l'embauche d'une dizaine de personnes en début d'année. Nous avions déjà au cours de l'année précédente fait une quinzaine d'embauches. Et au mois de juillet, nous allons refaire encore une dizaine d'embauches. Et nous avons surtout aussi un volant important de personnel intérimaire qui est actuellement d'une centaine de personnes. Cela faisait 20 ans que ce fabricant de bottes n'avait pas connu un tel pic d'activité. Ses dirigeants espèrent même atteindre les chiffres de cette époque avec une prévision pour 2014 de 800 000 paires produites dans la Vienne.